Ah, chérie, tu sais que tu voyages beaucoup la nuit, non Tu sais que dans les églises, on vous a dit que euh, voyage astral est mauvais, voilà, l'esprit des eaux est mauvais, <laughs> tu vas devoir te reprogrammer. Oh. <laughs> la nuit, les rêves, ce n'est qu'une continuation de la journée. Et beaucoup de messages, tu les attrapes dans les rêves. Parce que ton esprit n'est pas ouvert à cela. Quand ça arrive, même tu te réveilles, tu commences à, oh, arrête de moi, Satan. Il y a beaucoup d'expérience, beaucoup de, de pouvoirs qu'on te donne dans les rêves. C'est moment que tu ne connais pas interpréter. Parfois on te donne la bague, parfois on te met sur une chaise, parfois on te donne un sac. Voilà voilà les façons par lesquelles on te donne un nouveau pouvoir. On ajoute. C'est un peu comme si on ajoutait une, euh, euh, une case à ta maison ou une, je sais pas. Mais ce que tu fais la nuit là, c'est pas mauvais. Il y a les bons et les mauvais, bien sûr. Les agents de lumière vont se reconnaître. Il y en a parmi vous, vous sortez la nuit pour aller guérir les gens. Oui. Commencez à accepter votre nature. Parce que je sais que vous vous cachez. Et il y en a parmi vous, vous avez même éteint ça. Vous avez fait taire. Donc tu vis avec un homme. On te montre tout de lui. Hein? Donc tu te réveilles le matin, tu lui dis que tu as fait ça, 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 non. Pourquoi enfin, tu te dis même que tu vas faire ça Il doute. Après dans un jour, se passe. Ce sont des pouvoirs, ma chérie. Accepte d'abord ça. Please, I beg. Accepte. Quand tu fermes tes yeux là, il y a une continuation de toi. Et beaucoup d'entre vous, vous partez faire le bien aux gens dans vos rêves.